suis toute seule. Ninou n'est pas là. C'est une question d'habitude. Je suis malade. J'ai la crève. Ah, t'es malade. Je crois qu'on va pas pouvoir la faire, cette vidéo. Eh ben non. Bah, en fait, y a pas d'excuse. C'est... on tourne. Donc, tu m'enlèves ça et on tourne. Bonjour. Bonjour. Santé. Vous venez pour les cheveux, c'est ça? Christopher, oui, j'aime faire couper les pointes. Bonjour les gourmandises. Elle chante toujours aussi mal, c'est incroyable. Je trouve qu'il était bien là. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Ça fait un peu malade mental. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous ça va super méga giga extra super bien. Enfin Loïc il est un peu tendu. Tendu mais sinon ça va. Pour deux raisons. La première c'est que je vois le retour là dans la caméra, j'ai une coupe de cheveux. C'est plus possible. J'ai l'impression que les cheveux ne veulent plus de moi. Je les coiffe, mais ils s'en foutent. Ils veulent sortir de ton corps, mon Ninou. Et la deuxième, c'est le thème de cette vidéo, quoi. Ouais, ça va être une vidéo un peu spéciale. Alors, une vidéo qu'on attendait de refaire, enfin, que j'attendais de refaire depuis très très longtemps. Et je pensais, en fait, honnêtement, pas la refaire. Moi non plus. Mais on va vous expliquer le pourquoi du comment. Jusqu'à maintenant, vous avez l'impression d'avoir rien compris à ce qu'on vous a dit. Mais vous allez voir, ça va devenir très très vite, très très clair. C'est pas sûr. Si c'est toi qui explique, c'est pas sûr. Alors pour vous expliquer rapidement, il y a quelques temps de ça, on avait fait une vidéo dans laquelle Louane m'avait coloré les cheveux en rose. Mais vraiment le rose, genre rose. C'était bien amusé, moi finalement le rose, j'avais plutôt assumé. Après ce qu'il faut dire c'est que c'était une coloration pas permanente, enfin, c'est un truc qui part au lavage. Donc je l'avais gardé que quelques jours, je parle trop. Je refais en plus bref. Non, mais après elle se plaint de sa mère. Parce que vous savez la mère de Rox c'est pareil. Elle vous appelle juste pour vous dire je suis allée faire les courses. Ah donc... En parlant de ma maman, vous avez été très 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 nombreux sur Instagram à me proposer de faire un challenge avec ma mère. Oh putain. Je pense. C'est pas une bonne idée les loulous. La vidéo va durer 4h30. Je pense que ça peut être très très drôle. Donc du coup on va faire un challenge de pouces bleus. Si cette vidéo atteint 80 000 pouces bleus, je ferai un challenge avec ma mère. C'est pas une bonne idée, les loups. Je vous le dis, je la connais, je les connais, c'est vraiment pas une bonne idée. Faut qu'on arrête avec ce challenge des pouces bleus là. Pourquoi? Parce que regarde. Parce qu'à chaque fois, donc on revient à nos moutons. Oh, bébé, est-ce qu'on a été compréhensible? Non, on va tout refaire. Donc je vais vous expliquer très brièvement pourquoi, du comment, du pourquoi on est là aujourd'hui. Donc il y a quelques temps de ça avec Loulou on avait fait une vidéo dans laquelle elle m'avait coloré les cheveux en rose. Et dans cette vidéo, Loïc avait fait le malin parce qu'il avait dit quelque chose du genre ça. Moi je dis à 120 000 pouces bleus, je me fais les cheveux rouges. D'accord. Voilà, voilà, Ninou, c'est ça de faire le malin. Donc qu'est-ce que t'as à dire? Qu'il faut que j'apprenne à la fermer, quoi. Tout simplement, faut que je ferme ma gueule parce que là, c'est pas possible, quoi. Mais en fait, honnêtement, on pensait pas, c'est un fait truc deux de fois. Dingue. 120 000 pouces bleus. Ça fait deux fois. La première, c'était avec Flo. Ah oui, d'ailleurs, il faut qu'on fasse la revanche et avec Marie et Flo. Voilà. Donc ça, on l'a pas encore fait, mais on le fera aussi parce que bah, c'est compliqué. Ils sont à Lyon, on est de Menton, mais dès qu'on les verra, on fera la revanche du quoi dans ma bouche. Mais du coup, là, je m'étais dit 120 000, ça passe. Non. Vous êtes des dingues, on est à 129 000 pouces bleus sur cette vidéo. Et donc Ninou, tu n'as plus le choix, tu t'es engagé à te colorer les cheveux en rouge. Je vais te colorer les cheveux. Quand même juste, je tiens à le dire que cette vidéo du coup ça fait plusieurs semaines qu'on doit la faire. Et Roxane a décidé de la faire aujourd'hui. Et je suis persuadé que tout ça c'est pas anodin. Parce que demain j'ai rendez-vous avec le banquier. C'est vrai. Le comptable. Et la semaine prochaine on a un très 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 gros rendez-vous pour un très gros projet. À Paris. Où je vais passer pour un con. Comme pas possible avec mes cheveux rouges. Ah vous savez quoi, je vous ferai des snaps et des boomerangs. Après on sait pas s'il faut la coloration, elle va pas marcher là, il faut voir. Parce que t'as les cheveux noirs, Demain chez le banquier, vous me voyez arriver avec les cheveux rouges et lui dire que je suis quelqu'un de sérieux? Oui. Mais non mais... C'est là, tu vois, c'est là que c'est drôle. Mais ce que c'est pas beau ce que tu fais, parce que c'est fait exprès. Pourquoi? C'est pas beau ce que tu fais. C'est toi qui t'es engagé. On aurait pu la tourner il y a 10 jours cette vidéo. Bah non, on avait pas le temps. Ah bien sûr. Bon on y va. Je suis trop contente de faire ça. J'ai quand même un petit espoir que ça tienne pas. Bah alors ah ouais, ce qu'il faut savoir c'est qu'il a les cheveux très très noirs, mais dans tous les cas ça fera au moins des reflets, mais ce qui est sûr c'est que tu vas avoir les racines toutes rouges. Peut-être que je fais un peu la barbe. Non je vais être gentil, on va faire que les cheveux. Prochain. La barbe ce sera pour une prochaine vidéo, on fera qu'une coloration de barbe. J'en ai vu une qui me plaît. C'est vrai, quelle couleur? Toute pailletée rose. Prochain truc de pouces bleus, je dis 250 000, un truc comme ça. Tu dis 500 000. 250 000 pouces bleus, je t'emmène à Montréal en avion. 7 heures d'avion.
suis pas bien. En sachant que Loïc a la phobie de l'avion, et donc là c'est juste un rêve qu'il est en train d'exaucer, c'est voyager. Mais 250 on les aura pas. Je ne prends pas trop de risques, allez on y va, c'est parti. C'est parti. Comment j'ai ça marche pris, alors c'est les mêmes colorations que l'autre fois, c'est les coloristas. Tu sais que je transpire et tout, je suis pas bien. Vraiment je suis pas bien. En sachant que Loïc n'a jamais rien fait à ses cheveux concrètement. T'as jamais fait de mèches blondes ou... Même les laver hein, je crois que c'est très rare. Bah alors j'ai pris les mêmes colorations que l'autre fois, c'est les... J'en ai pris deux pour que ce soit bien rouge. Hein. C'est les coloristas de chez L'Oréal. Je vous en parle parce que si jamais vous voulez faire une coloration éphémère, ça part au bout de 15 jours au shampoing. Et franchement, le résultat est super drôle. Donc voilà, à tester. Il y a plein de couleurs. Il y a bleu, rouge, rose. Voilà. Ça te va, Ninou? Ça y est, j'ai perdu Loïc. T'aurais pu me faire rouge et blanc. Définitivement. Ah, pour faire Monaco? Ouais. Non. Mais non, parce que pour faire blanc, en fait, faut faire une décoloration, quoi. Ah ouais, et non. Ça, tu vas te retrouver comme Darko. Mais Darko, c'est chiant, ça lui va bien. Mais toi, s'il faut, ça t'ira bien le rouge. Bah oui, mais lui, c'est blond, blanc, tu vois, il est beau gosse. Ah, mais tu peux pas faire ça, Darko, il est jeune quand même. Toi, tu commences à te faire vieux, Ninou. Non, je rigole. Darko, il est jeune. Pas si jeune que ça. Hein. Il est dans la vingtaine. Et alors? Toi, t'es dans la soixantaine là maintenant. T'as pas une petite serviette, quelque chose, on fasse ça? Ouais, parce que sinon, je vais te salir le t-shirt. J'ai pris la serviette rose et bien sûr, rose, bien sûr. Allons-y. Voilà monsieur, est-ce que je peux m'amuser un peu en attendant? Voilà monsieur, je vous ai relooké. Je pense que cette coupe met plus en avant l'arrondi de votre visage. Je suis d'accord. Il faudrait un peu effiler la frange et franchement... Est-ce qu'on lit la notice quand même? Bah pourquoi tu connais pas? Non mais je sais plus combien de temps. Sans laver, ni couvrir, ni toucher. Ah non mais c'est pour faire le test d'allergie ça, mais ça va t'es pas allergique. Bah je sais pas, j'ai jamais fait. Bah, au pire tu meurs d'étouffement. Au pire. Tu as le choix entre look ombré. Donc, tu vois c'est genre on fait que les petites pointes. Non je veux tout moi. Nous on va faire le look tête entière. Tête entière ouais. Commence l'application de la couleur à deux doigts des racines. Non nous on va faire tout. Hein. Voilà on est des fous. Si tu veux une couleur pastel, c'est 20 minutes. Si on veut une couleur très intense, c'est 20 à 30 minutes. Donc nous laisserons reposer 30 minutes. C'est parti ! Yeah ! T'imagines, je perds mes cheveux ? Ah bah c'est possible en plus, hein. Comment ça, ça ? Ah mais regarde, c'est écrit. Contre-indication peut entraîner une perte massive de cheveux. Mais t'es sage, non ? Ouais. Ben non. C'est pas vrai. Oh là là, t'es pire qu'une gonzesse, quoi. Ah ouais. C'est que je suis vraiment plus sûr du tout de cette vidéo, Nina. Non, vraiment. Vraiment. T'as eu tes règles? Bon. Allez, mon Ninou, est-ce que t'es prêt? C'est que je sens que je vais le regretter, vraiment. Mais vas-y, vas-y. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'à la caméra, ça va pas se voir en fait. Parce que t'as les cheveux noirs. Je ferai d'autres prises de vue avec la deuxième caméra, je pense, après. Je vais avoir le crâne tout rouge, non? Ouais, c'est ça qui me fait peur, c'est le crâne. Bon, en attendant qu'elle me fait ça, moi j'ai une chose. Attends, je vais me lever pendant que tu parles. Allez, voilà. Je suis la coiffeuse. Sur quoi on est en train de bosser en ce moment? Donc, je vous avais parlé, vous savez, on avait fait un site l'an dernier. Je trouvais qu'il répondait pas trop à vos attentes en fait. Donc là, on est en train de bosser sur un autre site qui devrait sortir, je pense, mi-juin. Et là, on a eu les premiers visuels. Franchement, ça va vraiment être bien. Beaucoup plus interactif avec vous. Au niveau des recettes, ça va vraiment être mieux. C'est tellement pas crédible avec ta serviette. Et surtout. Pourquoi on a décidé de refaire un site? C'est parce qu'en fait, vous savez, les t-shirts, jusqu'à présent, vous les trouvez sur un site partenaire. Et en fait, on a décidé de tout faire nous aujourd'hui, de tout maîtriser, de tout retravailler. On va faire des bracelets, on va faire des posters. N'en dis pas trop! Oh, 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 oh. Oh là là, dès que Bilan. Je... Dès que je le laisse Pardon. Tout seul 5 minutes, il parle trop. Donc voilà, en espérant que tout ça vous plaise, j'ai l'impression que ça me ronge. Moi, je t'avoue, ce qui me fait peur... C'est qu'en fait, t'as la peau et les oreilles rouges. Le deuxième projet, mais bon, ça c'est pas un projet parce que ça y est, c'est finalisé, l'agenda scolaire. On voulait vraiment le faire parce que vous avez été beaucoup à nous le demander, on s'était dit que ça pourrait vraiment être cool. Mais ça demandait beaucoup de temps parce qu'on voulait vraiment faire un truc fun. Donc il y aura vraiment plein de surprises dans l'agenda. Il est magnifique. Il est vraiment beau, on est vraiment contents. J'ai tellement hâte, en plus il y a vraiment plein de goodies dedans. Enfin, vous allez voir, il y a plein de petites choses qui sortent de l'ordinaire. On n'a pas fait un... Voilà, plein de surprises. Et l'agenda sortira fin juin. Je pense que nous sommes bons. Tu crois? Ouais, on va laisser reposer 30 minutes. A tout de suite, mes amours. Mes chatons, c'est l'heure du rinçage des cheveux de Ninou. Et c'est très, très rouge. Mais en fait, c'est le crâne qui est rouge, c'est pas les cheveux. C'est maintenant, on rince. Quand je vous dis que c'est rouge... C'est que c'est très, très rouge. Allez, Ninou, on rince. Allez, go. C'est parti.
Oh my god. C'est un meurtre en direct. Bébé, ça s'arrête pas, c'est normal? Oh là là, malheur. Incroyable. Est-ce que c'est normal, nous? Tcharam. Voilà, voilà. Alors déjà, premièrement, on vient de se rendre compte que la netteté sur la première partie de la vidéo n'était pas top. Donc si on était un peu flou au début, on s'en excuse. Deuxièmement, la coloration n'a fonctionné que sur la peau. En fait, il a des reflets au burn. Voilà, t'es un peu violine. C'est vrai qu'à la lumière, t'as beaucoup de reflets en fait. Je vais vous montrer avec la petite caméra quand même ce que ça rend. Parce qu'à la caméra de loin, vous voyez pas. Voilà le résultat. Donc petit reflet quand même, hein, regardez, c'est mignon. Et le crâne, Et les oreilles aussi. Les oreilles sont toutes mignonnes, toutes rouges. Je pense que le crâne, ça va être encore plus chiant. Hein. Ah ouais, mais non, mais le crâne, bébé, c'est abusé. Ça fait des taches rouges de partout. C'est ce que nous pouvons appeler une coloration ratée. En fait, je pense que c'est pire. À la limite, il aurait mieux fallu qu'elle soit réussie. Parce que là, pour le coup, c'est chelou, quoi. Voilà. Donc, mes chatons, cette vidéo est maintenant terminée. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est bien marré. Le résultat est très drôle aussi, quoi qu'il en soit. Au moins, j'ai eu ma revanche, lui qui s'était moqué de moi quand j'avais les cheveux roses. Je t'aime, mon cœur. En tout cas, les loulous, on espère que cette vidéo vous a plu. Et pourquoi pas, faire un challenge où on te décolore les cheveux. Non, non, stop. On va y réfléchir. Mmh. On vous fait une avalanche de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye les loulous. Ciao.